On va faire une vidéo de type crash test. Voilà. Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo mon cul, sale pute. Premièrement, hein, veuillez m'excuser pour cet accoutrement légèrement summer. Hein. Clairement, j'ai bronzé mon petit cul au soleil. Voilà, mon petit cul de blanc. Alors Martine, pour cette toute nouvelle vidéo, nous allons tester un produit. J'ai reçu des produits NYX. T'en avais parlé il y a... Parfait. Je t'en avais parlé il y a pas longtemps. J'avais reçu une boîte avec plein de produits. Et ce que j'ai particulièrement envie de tester aujourd'hui, ce sont les Epic Ink. Hein. Donc ce sont des encres à lèvres. Clairement, colorants pour les lèvres. Voilà, ce n'est pas vraiment un liquid lipstick, c'est plutôt un encre à lèvres quoi. Voilà, c'est écrit sur le truc. Bon, j'ai plein de coloris, plein de coloris. Voilà, le choix est assez difficile. Je ne sais pas trop quelle couleur prendre pour commencer cette vidéo. Je me dis, bon, imaginons que ça colore vraiment les lèvres, autant prendre le truc le plus clair. Hein. Donc on va aller sur un... Allez, soyons fous, on va aller sur un rose fuchsia type suceuse d'énorme phallus. Alors la couleur ici, c'est le Heartbreaker. Tombeur. Bon, s'ils ont voulu traduire Heartbreaker en français, ce n'est pas vraiment tombeur, hein. C'est plutôt briseur de cœur ou briseuse de cœur. Mais bon, soit. Tu vas s'infuser le bazar ici. Il faut s'hydrater, Martine. Au passage, j'ai l'impression que je vous en parle tout le temps, mais c'est parce que j'en bois tout le temps, hein. Voilà, donc forcément, c'est mon tout nouveau Fitti, goût tropical, ananas, papaye, coco, donc tout nouveau goût, hein, de chez Fitti, sur fitti.fr, vous pouvez voir tous les goûts qui existent. Clairement, voilà, c'est un peu mon préféré. À la base, je suis pas très fan de thé, je sais pas, j'ai toujours trouvé c'est un peu gnangnan, un peu chiant à boire. Par contre, les thés Fitti, bah en fait, clairement, j'ai même plus besoin de sucre, tellement ils sont bons, ça goûte le fruit à mort, donc c'est vraiment assez cool. Donc voilà, petite parenthèse. Bon, c'est parti Martine, on part sur le test. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, je sens que ça va être très chelou. Ah oula, ah là là, ah ok, donc c'est hyper liquide. Donc j'ai l'impression que c'est surtout à base d'eau. Ok, on va essayer hein. Oh là là, ça va être une catastrophe. Regardez, c'est liquide à mort, bon on va voir. Je commence avec le bas, on sait jamais hein. Oula, oh c'est bizarre. Ah c'est glacé, c'est tout froid. C'est bizarre. Ah c'est trop spécial à mettre parce que c'est en fait c'est hyper liquide et je sens déjà que c'est en train de sécher. Bon ok, on continue. Ah merde là j'ai fait un peu de la merde là. Attends j'ai un remettre. Après la sensation est plutôt cool, donc c'est hyper frais, on dirait de l'eau. C'est pas hyper couvrant, ouais c'est pas hyper couvrant, je pense pas que ce soit le but. Je pense vraiment que c'est pour donner une couleur aux lèvres, mais là c'est quand même fort foncé mais pas couvrant. Par contre c'est déjà complètement sec, je viens de le mettre il y a même pas quoi, 30 secondes. Bon bah on va essayer une autre couleur, j'ai hâte de voir surtout si ça s'enlève facilement. Oh putain, oh ça pue la merde, ah ouais ok. Ah oui ça part pas en fait, ah bah c'est lourd. Ah ça va être bien pour tester les autres couleurs. Ah c'est vraiment, oula, oh bien. Oh merde. Bon en tout cas il ne ment pas sur le but du produit hein. Ça te colore littéralement les lèvres. C'est très bien, c'est très bien surtout si voilà, si la couleur te plaît pas et que t'as envie de l'enlever. Après bah t'es dans la merde Martine. Va te faire reculer, démerde-toi. Bon je n'arrive pas à enlever plus. Voilà, ça va faire 5 minutes maintenant que j'essaye C'est génial. Que j'essaye donc d'enlever la couleur et ça ne part pas. Peut-être avec un peu de liquide. Non. Ah, parfait. En plus, ce qui est vraiment génial. Oh, lourd. Ah, bien. C'est que partout où t'as des petites, tu vois, des petites crevasses, genre les lèvres séchées, ça te fait une couleur plus foncée. Ok, bon bah du coup, on va essayer une autre couleur. La couleur magique. Hein. Alors là donc, on est sur du très 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 liquide aussi. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il est encore plus... Ah oui, oulala. Ah là 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 là. Aïe, on va tester. Oh c'est foncé putain. Ah c'est brun en fait, c'est pas du tout un... Ouais. Ça va être beau à enlever cette merde. Ok donc en fait il faut vraiment en prendre beaucoup. Ah c'est hyper dur à mettre. Bon bah chelou. Bon je vais essayer de laisser sécher et je vais remettre une couche parce que là ça va pas du tout. C'est quand même beaucoup plus clair sur le tube que ce que j'ai sur les lèvres. Hein. Ouais, pour le moment, franchement, 5 sur 10, quoi. Après, c'est sec. J'ai l'impression de n'avoir rien sur les lèvres. Il n'est pas du tout l'effet comme un liquid lipstick. Donc, par contre, c'est pas très hydratant, j'imagine. Voilà. Mais, ouais, j'aime pas du tout cette couleur, par contre. On va partir sur un rouge. On va retenter d'enlever ce truc. Bon, bah, la couleur magique, pas si magique que ça. Hein. On enlève.
Alors, faut savoir que la lotion que j'utilise là pour m'enlever le maquillage, c'est quand même à base d'huile et c'est pour enlever le maquillage waterproof. Donc voilà Martine, ça tient bien. Really? Putain, on dirait que je suis un cheval quoi. Bon voilà, ça ne va pas du tout. En tout cas, voilà, ça colore vraiment les lèvres. Hein. Pour le coup, là, 10 sur 10. Niveau coloris du tube et ce qui est vraiment dedans, 5 sur 10. Et alors, l'application un peu compliquée. Il faut en mettre beaucoup pour avoir vraiment une couleur homogène. Mais c'est juste super dur à enlever. Donc en fait, pour faire un crash test où j'ai envie de te montrer les différentes couleurs, il faudrait que j'étale ça sur une semaine de tournage en fait. Clairement, c'est ça. Je vais, je vais mettre un petit rouge. Est-ce que c'est rouge hein? On va voir d'abord la couleur. Là on est sur du rouge. Ah ça peut m'intéresser par contre. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir un rouge à lèvres rouge qui tient pas plus d'une heure, c'est l'enfer. Ça c'est pas mal. Là franchement pour le moment j'adhère. Il est aussi plus facile à mettre j'ai l'impression. Ok. Ah. Ouais franchement celui-là j'aime bien. Et je pense du coup que celui-là devrait être pas mal. Mais bon là maintenant mettre du plus clair ça n'ira pas du tout. Parce que comme c'est impossible à enlever. Clairement je pense que voilà mes préférés ça va être ça. Ok. Est-ce qu'il tient à la chaleur? Putain, ça a coloré ma langue, sa mère. Ah, lourd. Ouais, c'est vraiment pas parfait, quand même. Bon, bah, petit conseil, du coup, avant de te mettre les Lip Epic Ink, hein, donc les Lip Ink de NYX, fais-toi un scrub avant, parce que si t'as des petites peaux mortes, laisse tomber, c'est horrible. Clairement, ça va puer la merde. Ça pue la merde. Alors, au passage, mon thé Fiti que je bois maintenant depuis... presque 8 mois je pense. Mais moi ce que j'adore faire aussi c'est finalement de le boire froid. Donc je mets un peu de miel, je laisse refroidir, j'ajoute des glaçons et je le bois glacé, donc comme un thé glacé. Je l'ai mis en description également, mais bon je te le mets ici aussi. Donc voilà, avec le code GELGDYT, hein, merci Fiti pour ce code promo très simple à retenir. Et bien tu as une belle réduction sur tous les produits de ton choix, tout ce que tu as envie de commander, voilà. Donc fais-toi plaisir et à ta santé Martine. Bon alors Martine, ce produit, est-ce qu'on est content ou pas? Je suis vraiment pas satisfaite de ce produit. Heureusement hein, que NYX ne m'a pas payé pour faire la promo de ce produit et que c'est un vrai crash test que j'avais envie de faire parce que franchement j'aurais eu du mal à vous mentir. Et je pense surtout que vous aurez hein, vu que je vous mens, vu que le résultat pue la merde. Au revoir à tous. Yeah. À bientôt Martine.